On apprend plein de choses. On éteignait les lumières. On aura des voitures électriques. Ouais, ils sont toujours heureux, les élèves, quand ça change. La seule à le soleil. Moi, ouais, c'est l'eau. Il y avait un tigre, il y avait un ours polaire. Le réchauffement climatique. Il y aura plus de pétrole. On va faire gagner toute la classe. En tout cas, ça sera pas des voitures volantes. Hein. Génération Énergie, donc c'est un programme national. L'objectif est de sensibiliser les élèves de collège, vous les élèves de collège et lycée, à ce qu'on appelle les économies d'énergie. C'est compliqué d'imaginer le futur. On nous a expliqué plein de choses. On va trop polluer, la Terre va se réchauffer. Et on va voir ce que c'est que les énergies renouvelables. C'est l'évolution de l'énergie. S'il y a de l'eau qui passe, ça tourne. Et ça crée de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous ? Éteindre les lumières quand on sort d'une pièce. N'oubliez pas de fermer l'eau dans la douche. J'éteins toutes les lumières. Il expliquait bien. Il nous laissait poser des questions. Il faut que ce soit interactif. On a fait des groupes pour donner des propositions. Utiliser des transports en commun électriques. Ferme bien l'eau. Quand le travail de groupe sur les éco-gestes, ça marche bien. Mettre des panneaux solaires, mettre des composts, plus de poubelles. Sachez qu'il y a un jeu concours. En fait, on peut faire des vidéos, des dessins, des poèmes. Là, par exemple, on se filme en train d'éteindre la lumière et sortir d'une pièce. Il y a des lots à gagner. Et si vous gagnez, c'est toute la classe qui gagne, par exemple, un VTT. Alors, je pense que voilà, l'intérêt aussi de Génération Énergie, c'est de semer une graine. Peut-être on va mieux respirer ou mieux vivre.